Quintus appartient à Domaine Clarenzelon, qui a pour actif principal deux des plus beaux fleurons du Bordelais, qui sont les châteaux Aubryon et les châteaux La Mission Aubryon. Avec Château Quintus, nous avons un versant nord, un versant ouest et un versant sud. Toutes les expositions, tous les types de sols, en haut donc calcaire, dans la pente argilo-calcaire, puis on descend pour devenir argilo-sablonneux. On avait la faiblesse de penser qu'on avait acquis un terroir d'exception. Millésime après millésime, cela se confirme. Le vin aujourd'hui prend forme, se construit, on se construit avec lui. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'optimisme pour l'avenir et de réaliser certainement notre rêve qui est de devenir un très grand Saint-Émilion.